Il y a peut-être 15 ou 16 nœuds, mais c'était trop. C'était trop pour mon niveau, en tout cas. Ah bah ouais, les 4 premiers bords, hein. Bah toi, j'étais en saucisse. C'est la première fois que je navigue sur toile avec le frog, moi. Je faisais pas le malin. Hein. Mais quand tu sens que le vent il est établi, tu peux commencer à te balader. Parce que mineur, faut dire qu'on va... Un kite à foil, ça va être deux fois plus vite que le vent. En gros, on est un peu comme un multi. Hein. C'est dans la philosophie du truc. C'est que quand tu fais du foil et que tu voles, t'es en connexion directe avec l'appendice, qui est le foil. Alors que sur le multi, on a toute une bardée de capteurs, fibres optiques, capteurs d'angle et tout ça, qui nous permettent de le régler parce que le bateau est tellement gros qu'on, quelque part, on peut pas ressentir dans, immédiatement l'effet du foil. Alors que sur un kite à foil, ça passe directement dans les doigts de pied. Tu es à l'aise sur foil là pour le moment ou pas? À l'aise, non, je découvre le support maintenant. Il y a une grosse marge de progression, mais il y a encore du boulot.